c'est Florence, je suis aujourd'hui encore une fois avec Marvin. Coucou. Et on va faire le What's in my mouth, donc pour ça on a deux petites cuillères. Donc on a pris un petit cache-œil ici, qu'on va mettre chacun notre tour. Oh regarde, c'est une sexy, on dirait un string. Tiens, j'ai trop peur, j'ai pas confiance en toi, mais à un point t'imagines même pas. Parce que déjà moi je me fais pas confiance à moi-même pour ce genre de choses et je sais que t'es pire que moi. Donc qui commence? Moi je stresse, tu veux bien commencer? Non, je veux commencer, non tu commences. Non! Pourquoi c'est moi qui commence? J'ai une coiffure magnifique, je crois. Moi je tournais parce qu'à l'odeur, tu vas savoir ce que c'est. C'est du fromage? Non, c'est pas du fromage. Ok, y'a cette rien. Chaussette. Oh, je voulais te prendre les chaussettes, j'ai oublié. Merci, c'est gentil. Je veux pas ouvrir la Ouvre. C'est quoi? Mais mange, la connasse. C'est le basilic. Ah, il y en a trop. J'ai l'impression de manger du parfum basilic. On me dégoûte. On me dégoûte. Il m'en a encore plus qui. Alors, qu'est-ce que je vais lui prendre? Je voulais mettre mes lunettes par-dessus, mais tout ne savait rien. Ah, je sais. Je vais commencer par ça. C'est du gingembre. Bizarre. Mais non, allez, ouvre la bouche. Mais ouvre la bouche. Moi, j'aime bien. C'est quoi, c'est dégueu? C'est de la marmite. Y'a pas de viande, j'ai vérifié. C'est quoi? La marmite. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Comment tu vas me faire avaler ça? Moi j'aime bien. Moi j'ai le goût de la marmite maintenant. J'hésite, un truc pas dégueulasse mais auquel on t'attend pas trop, ou un truc dégueulasse pour se consommer tout seul. Tu choisis. Dégueulasse quoi? Ouvre grand la bouche. Pourquoi grand? Ouvre grand cuillère. Ouvre grand pliant. Mais non, mais comment ça se fait que c'est une si grande que ça? Parce que j'ai décidé. Allez, mange. Tu l'as fait le croust? Du chou blanc. Romain. Je me disais que le matin comme ça, ça avait des gueules. Tu me prenais mal. C'est tellement difficile de me dégoûter en fait. Tu me donnes la merde. Bientôt tu ne ressembleras plus à Hitler. Tu t'auras les cheveux, tout ça. Ce n'est pas mon but de lui ressembler, tu sais. Sonic, plus rapide que moi. Plus malin, plus rusé. Attends, mais... on n'a pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bien. Oui, c'est là. Je suis lentille. Ah, c'est de la confiture. Oui, t'avais demandé un truc gentil. C'est un moment de douceur et d'onctuosité. D'onctuosité. Ah, oh, j'ai encore un petit bout de chou. Un bout de chou. Ah, un bout de chou. Sonic, plus rapide que moi. Plus malin, plus rusé, y'en a pas. Et c'est une manière de me rattraper. Il faudra. C'était quoi encore les paroles? Allez, ouvre. T'inquiète pas, c'est pas... normalement c'est pas dégueu. Pourquoi tu dis ça? Moi ça me stresse. C'est quoi? Attends, il y en a encore place sur la cuillère. T'as pas de goût? Non, c'est vrai. C'est quoi? Rigole pas, j'ai peur. T'inquiète pas, c'est un fruit. C'est un fruit? T'es sûr, hein? Oui, c'est un fruit. De la figue? Oui. Putain, elle a pas de goût ta figue, elle vient d'où? Elle vient de Belgique ou quoi? Bah, on dirait. Attends, il y en a encore. Je m'attends à tout moment à ce que tu mettes un insecte dans la bouche, je sais pas quoi. Pourtant, je veux bien manger des insectes, mais pas comme ça, quoi. Je n'ai rien de vivant ou de dégueulasse. Oui. Bah, je suppose que tu n'as rien de vivant, étant donné que tu es végétalien, tu vois. C'est vrai que ça devrait me rassurer. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah, je sais. C'est un truc maléfique? Oui. Vraiment maléfique? Oui. T'es sûr que c'est végétalien? Oui, mais c'est pas maléfique en fait. C'est dégueulasse? Non, ouvre la bouche.
Ça vient pas de couler. Un petit peu. Disons qu'en général, ça se mange pas comme ça. Alors qu'est-ce que c'est? Un forage. Tu m'as même dans le nez. Non, j'ai goûté, j'ai jamais goûté ça comme ça. On dirait de la farine de châtaigne, un truc comme ça? Non. Ah. De noisette? Ah, c'est affreux. De noisette? Non. Ils mangent ça, les Libanais. Ton pantalon est dégueulasse. Bah oui. Allez, tu, je te dis ce que c'est. C'est de la farine de pois chiche. Mmh. Allez, ouvre. Grand. Ah, ah, c'est quoi? Croque. Oh, je suis un gosse. Allez. Mais tu es allergique au vieux. T'es allergique aux œufs? On va pas faire, mais. Ça me donne l'air de ressembler à Michael Jackson. Ça me reste, c'est trop tard maintenant. Ça me prend le temps gris, je te jure, je déconne pas. T'as mangé un œuf comme plus belle. Ça. T'as mangé un œuf sans rien dessus, c'était dégueu. Ferme ton nez. Pourquoi? Parce que ça sent fort. Ouvre la bouche. Ah, c'est des capres. Je suis maléfique. Ah. Ah. Voilà, ouvre. C'est quoi ce truc en là, entre mes jambes? Une capre? Oui, écrasée. Ouvre. Croque. C'est un piment. Non, c'est pas piment. C'est quoi? Croque. C'est un piment. Non, c'est pas piment. C'est quoi? C'est un piment. Mange-le. C'est les moins forts de mon potager. Ah. Ah. Ah, je bave. Oh, c'est dégueu. Mais putain, c'est quoi ça? C'est un pot de verre du Mexique? Non, mon jardin. Tu veux pas mon piment? Et pourquoi vous avez ça en mode? Vite, y'a pas le pain. Fâche-moi une gaufre. Là. Ça? Non, une gaufre, j'ai des galettes de riz. Mais j'avais pas vu. Ah, c'est rouge. Putain, c'est chaud quoi. Moi, t'as encore deux trucs tout doux et tout gentils. Bah ça pique oui mais c'est pas un surmontable. Quoi? Non moi. Ça m'a brûlé au point que même manger ça, ça me fait mal. Mais c'est mon tour. Ta gueule. Pour moi. Hey. Ouvre la bouche. Je peux sentir avant. Ouvre la bouche. Ça pique? Non. Oui. Mange. Ça pique pas? Il faut le temps. Ça pique pas? Bah non, enfin pas pour moi. C'est du quoi? Déception. Je suis un warrior. Dit-il avec les larmes plein les yeux. J'arrive plus à vivre normalement. C'est tout gentil ça. Mmh. Oui. Et alors t'as pas mangé mon piment? Je mange pas ta moutarde, voilà. Bah c'est le mois prochain. Ah non, c'est en novembre. C'est en décembre. En 10? C'est le 6 décembre, c'est l'anniversaire de ma mère. Arrête de pleurer. Ta mère s'appelle Nicolas. Alors, je montre à la caméra, voici ce que c'est. C'est des bonbons. Hein. J'ai acheté ça quand j'étais au Japon, en me disant que peut-être c'était bon. Mais sauf que j'ai goûté. Que c'est pas genre avec de la gélatine ou quoi? Non, j'ai pas vérifié, j'arrive pas, mais c'est pas gélatineux, c'est normal. Et donc j'ai goûté ça hier et j'ai failli mourir. Donc je vais faire goûter ça aujourd'hui à mon cher ami. Vas-y, tu laisses au moins 12 secondes. 7, tu devines? 8, putain ça pue. 9, 10, 11. C'est difficile. J'ai failli vomir moi hier quand je l'ai mis en bouche. Non, pas vrai. Ça va, tu sais c'est quoi? C'est bon pour la tomate.
Sérieux? Oui, c'est dégueulasse. Mais ça goûte pas la tomate. Ça goûte la tomate, ça pue la tomate. Mais j'aurais pas dire que c'est bon, mais c'est pas vraiment là, quoi, surtout après du piment. On dit que c'était bien. C'est quoi ce truc tout dur? Ah, c'est ton téléphone. C'est quoi ce truc tout dur? Dis. Heureusement, j'ai pas regardé, tu sors le truc devant moi. Tout ce que je sais, c'est la couleur. Ah, si j'avais su, j'aurais été plus gentille avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es adouci, Marvin. C'est parce que je suis amoureux. De moi. Allez où? C'est quoi? Ah, t'as eu le relayage? Oui, à chaque fois qu'elle est dégueu. Elle est pleine de... Bien, je crois. Ah. Il veut m'embrasser. J'ai le cancer de la bouche. Tu sais que c'est censé être c'est le dernier qu'il y a dans toute la maison. Hein. Ouais. Bah, tu as rempliqué, j'étais voisin. Mes voisins, ils n'utilisent pas ça, mes voisins, c'est des sauvages. Ils n'ont même pas de toilette. C'est vrai? Ouais. Bah, toi non plus, techniquement. Là, j'avoue. Techniquement. Vous avez un seau et des copeaux. Ça s'appelle une toilette sèche, c'est écologique. C'est tout des trucs que moi j'aime bien en fait. Non, t'en mets pas trop, je suis sûr que tu es en train de faire une grosse bouche. Tu regardes. Comment tu veux que je vois? Ouvre la bouche. T'es où? Ouvre la bouche. C'est de la moutarde. Mais c'est même pas drôle. J'ai même pas pu mettre toute la cuillère, c'est pas juste ouvre la bouche. C'est le but du jeu, Marvin. Non, j'aurais pas avalé ça. Trop bon. Oh, c'est vrai. Donc c'est sur moi. Ouvre la bouche. C'est un truc bizarre. Ah oh merde. C'est de la sauce soja. Putain. Elle a quel âge, ta sauce soja? Bon, on vient de l'acheter. Ah bah, il y en a sous tes bras. Ah bah, il y en a aussi sur mes jambes et sur mes mains. J'en ai partout. Je crois qu'il y a des colorants. Jésus Marie-Joseph. Laisse-la un peu tranquille. Et pourquoi? Ils ne t'ont rien fait. Dis, ils sont... Hein? Allez, ferme les yeux. Je suis gentille, ça va. Ton sang, c'est liquide. Ouvre la bouche. Fais comme toi. C'est du vinaigre balsamique? Non. Du vinaigre tout court? Non. Du vinaigre de fruits? Oui. De framboise? Oui. Hmm? Oui. Ah, tu m'en as mis partout. Ah. Mon t-shirt! Bah, j'aurais pu. T'es sérieux? T'es sérieux parce que je peux aussi. La cuillère? Au secours! Elle est mort. Je désolée, pourquoi tu me lances des vieux mouchoirs, c'est dégueulasse. Chaud. Putain, t'as mis du vinaigre dans mon sac. Sérieux? Mais oui. Il va plus le vinaigre maintenant déjà que l'eau s'en va. Le riz? Oui, j'ai fait tomber du riz, non, dans mon sac Hershen. Oh, regarde ma gueule, on dirait vraiment un conte de la crypte. J'ai plus de cheveux, Marvin. Bah non, mais moi aussi en ce moment je les perds. C'est vrai? On pourrait arrêter de filmer là, non? Ouais. Bah t'as pas encore tiré à voir. Je vais d'abord finir ça. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Marvin, que penses-tu de notre amitié à présent? Je déteste. Elle me déteste. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. On vous fait de gros bisous. Et on vous fait de gros bisous. Non, je dis pas. Vas-y, non, on peut très bien voir. Non, dis, alors. Non. Rappelle-le. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!